Alors, Alechem, on est dans Siman Resh Ein Aleph, Dine Kiddush, la halakhot de Kiddush. Mishesh lo lefanar kos yain shelo shatu memeno klal. Le kos acher shatu memeno av sheyachol letakno al yedei shimzog letocho meat yain o mayim. Mikol makom adif yoter sheyikadesh al hakos shelo shatu memeno. Alors, comme on a dit, okay, c'est maintenant, on parle de la halakha selon le verbe de Kiddush. Alors, il nous a dit, le Maharan HaShulchan Aruch, que le verre de Kiddush, il faut qu'il est entier, comme je dis comme ça dans ce Kouf Bet, c'est Dine Kiddush, Kos Bracha, ça s'appelle. Kiddush, Kos She Bracha, comment il faut qu'il est. Kos Bracha, il y a 10 conditions. De nos jours, il n'y a plus les 10 conditions, on n'a rien que 4 conditions. Dans ces 4 conditions, il faut qu'il est plein, papagoum, que personne n'a bu de ce verre, de ce verre-là, okay, de prendre de la main droite, comme on a de prendre des deux mains et de le prendre sur la main droite, okay, et sans que la main gauche elle le touche, et il faut qu'il ait un tefar plus haut que la table, par exemple, il faut qu'il regarde le verre de Kiddush, d'accord. Et bon, il y a encore d'autres conditions, hein, en tous ces 10. Avec les 10 doigts. Non. Alors, c'est quoi ces 10 conditions pour moi? C'est comme ça, ça c'est Koshe Bracha. Koshe Kiddush, Koshe Bracha. Ça veut dire quoi? Le verre de la Bracha, là-bas c'est comment on fait Birkat Amazon. C'est dans Siman Koupé Bet, là-bas comment on fait Birkat Amazon avec le verre de vin. Alors il y a 10 conditions. Une condition, qu'il faut qu'il ait Chatouf ou Moudar. Chatouf ou moudar, chatouf, ça veut dire qu'il faut qu'il est rincé de dedans et de dehors. Et il faut qu'il est plein. Et il faut que mosgo, après tu mets de l'eau. En général, avant, il était, comme le vin, il était très... Ouais, on le coupait avec de l'eau. Il faut le couper mosgo, imaï. Et après, mekablo beshteyada, tu le donnes avec tes deux mains. Si tu as pris maintenant un doigt qu'il est comme ça, rien qu'avec ces deux doigts là comme ça, il n'y a aucun problème. C'est pas comme le pain c'est autre chose. Non, je parle de ça, il y a un thème de donner avec les 10 doigts. Dans les 10 doigts, c'est 10 sur le pain. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 travaux du commencement. Des rabbanim, des tonnes de rabbanim, mon Jake. Plein de fois je faisais peut-être, comme ça. Ça c'est Hashibut. Ah ben c'est pas écrit dans ces 10 conditions que je te dis, c'est pas écrit 10 doigts. C'est écrit Mekablo Beshte Yadav. Mezé Mekablo Beshte Yadav. Même que c'est écrit Mekablo, Mezé Mekablo, tu reçois de tes deux mains, mais c'est de prendre de tes deux mains. Même que c'est écrit dans la halakha Mekablo, tu reçois de tes deux mains, okay, ça s'appelle, s'il n'y a personne d'autre, toi, tu le prends de tes deux mains. Il y a le Zohar. Le Zohar, il dit, c'est bien que quelqu'un d'autre qui te le transmet le verre. Ça, c'est avec le Zohar qui dit. Ça, mais... c'est le Zohar. Mais si, ces 10 conditions, elles ont été données dans le Gemara. Dans la Gemara pour, ouais, pour le Birkat Amazon. Pour le Birkat Amazon. Et puis, on prend, au taux d'abord, c'est la même halakha au niveau que le verre du Kiddush. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Maintenant, on les mit à Tef aussi. On prenait le Talit, on le mettait le Talit sur la tête, comme se disait Rav Papa. C'est-à-dire, il y a 10 conditions. De nos jours, il n'y a plus que des 10 conditions. Ça suffit qu'il y a comme les 4 conditions. C'est lesquelles, les 4? C'est une, qu'il faut qu'il ait... Chatouf et Moudah, lavé des deux côtés. Il quoi des deux côtés? Le vin, il est propre. Ah, il est propre. Que il est rempli à bord. Pour mettre de l'eau aussi. Mais Kablo Beshtayada, tu le prends de tes deux mains et tu le prends un tefar. Il ne faut pas qu'il ait pas goum aussi. Pas goum, ça veut dire que personne n'a touché à but de ce verre-là. Ok? Il y a plus. Et, hein? Il y a au moins 6 conditions. 4. Ça suffit 4. Et un tefar, c'est pas obligé, un tefar. Il faut que ça ne soit pas du vin blanc, il faut que... Oh, c'est autre trucs. Chose, ça c'est Midat Hassidut. C'est bien, selon Shulchan Aruch, que le vin, il est rouge et pas blanc. Il y en a des Ashkenaz qui font du vin blanc. Ouais. Oui, nous la les séfarades, nous bière. Les séfarades. Non, la bière, ça ne se commence même pas. La bière, c'est seulement... Même le vendredi soir, même le vendredi matin, même tous les jours, quand on fait le kiddush, il ne faut pas faire avec de la bière seulement. Écoutez là, c'est la rien, seulement si tu n'as pas dans la ville de vin. Ah, bah, oui. Comme ça, dit la Gemara. Ouais, mais si tu as, on va dire, tu n'as pas le temps d'aller acheter Shabbat et tout ça. Tu tapes à la porte de ton voisin. Tu descends les escaliers. Tu tapes à la porte de tous les voisins.
T'as pas... Ah, c'est bon, comme je l'ai dit une fois j'étais invité, okay. Beta Knesset, tout d'un coup, ils font, je bois le Hattad, Shabbat Hattad, tout d'un coup, il prend une boha, et il commence à faire la kiddush sur le boha. Je le regarde, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais non, non, on n'a pas de vin. Je dis, mais t'as plein le voisin ici? T'as pas le droit de faire ça. Et si le voisin, il fait la boha? Eh ben, tu lui prends ça pour? Ah, tiens, on va. La halakha, elle dit, il ne faut pas faire comme ça avec la halakha. La halakha, c'est. On fait le kiddush sur du vin. Maintenant, il n'y a pas de vin. Il n'y a pas de vin, tu vas. Tu tapes. Quand il n'y a pas dans toute la ville, alors là, tu fais sur la boucha. Tu fais sur la. Tu fais du raisin s'il n'y a pas de vin. Pas la chem. Jus de raisin, c'est du vin. C'est pas les chem. C'est autre chose. Qui ne tient pas bien du tout. Très bien, il dit. Elon, il dit très bien. Si maintenant tu n'as pas de vin, est-ce que c'est bien de faire avec sur une bière, oui ou non? Alors tu peux faire le kiddush sur le pain. Mais ça, c'est dafka la nuit et pas le jour. Le jour, tu ne peux pas faire avec du pain. Vendredi soir. C'est vrai, vendredi soir. Top, on continue maintenant. Alors maintenant, si maintenant tu as deux verres devant toi, un verre de vin qui est plein. Et personne n'a bu de ce verre. Et un autre verre qui est vain, il est plein, et quelqu'un a bu, mais rien, tu mets ta kenoto. Mais ta kenoto, c'est que tu répares le verre. Comment tu répares le verre? Après, avec quelques gouttes d'eau de l'eau ou quelques gouttes d'eau de vin. Même pour le verre. Ah oui, on avait vu ça hier. On avait vu ça hier. Alors, c'est bon, tu peux faire le kiddush dessus. Mais là, maintenant, tu as deux verres. Un verre plein, qu'ils n'ont pas touché. Un verre plein, que oui, qu'il a touché, on l'a touché, quelqu'un il l'a bu, mais il l'a réparé avec quelques gouttes d'eau. On dit le rab, c'est mieux de prendre le verre qu'il est clean, que personne n'a touché. C'est pour cela, les khatrila, si tu as la possibilité, c'est bon, je vais prendre quelques d'eau, je vais mettre. Quelqu'un a un enfant, il a bu. Okay? On ne sait pas, mais elle a bu, elle veut voir si maintenant le bon il est bon, le vin il est bon. Il a goûté le vin, il faut faire attention de ne pas avant qu'il douche. C'est bien et de vérifier le vin l'après-midi avant Shabbat. Pourquoi? Parce que des fois, le vin a viré. Je peux le faire avant qu'il douche, pourquoi avant Shabbat? Sauf de goûter avant le qu'il douche. Mais pas le droit de goûter rien du tout avant le qu'il douche. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu fais le qu'il douche avant l'après-midi, tu ouvres ta bouteille de vin, tu goûtes un peu, pas besoin de faire la bracha, mais si tu veux goûter un peu bien, mais là, tu peux faire la bracha, tu bois du vin et tu goûtes. Mais si tu goûtes, pas besoin de faire la bracha. Sinon, tu veux une nouvelle bouteille. Mais le vin, ça tourne pas. Le vin, ça tourne pas. Ça tourne, le vin, ça peut tourner, ça dépend des conditions où ça se trouve. Ah, ça dépend quand ils ont ta trans. Même quand la bouteille elle était ouverte avant qu'ils l'ont fermée, les quelles conditions il y avait. Ça dure au moins 2 semaines, une bouteille de vin. Ça peut durer des années. Non, merde. Non, je parle maintenant. Fermé? Ça peut virer. Elle pose la question. Là, à la fin, elle te dit quand maintenant il y a le. Ça sent vinaigre, mais le goût, c'est du vin. Est-ce que tu peux faire le kiddush, oui ou non? Le goût, c'est du vinaigre, mais ça sent du vin. Est-ce que tu peux faire du kiddush, oui ou non? Tout ça, c'est des questions. Mais quand tu mets le kiddush dans un verre en métal, ça a le goût, j'ai du vin. T'as raison. Il dit, Noam, il dit quelque chose de très important. Il y en a qu'ils font le kiddush avec le verre en métal, ça veut dire par exemple en argent. Ça s'oxyde. Alors, l'argent, okay, elle dégage des. L'oxydation. Comment? Des là, quand tu vas boire le vin, tu vas voir qu'il est, un peu fort. Ouais, il y a des fois. Mais des fois, il est bon le vin. Mais si tu vas le mettre dans un verre, tu verras. Alors, il y en a qu'est-ce qu'ils font? De ce ils vont non ils prennent un verre en verre, même que d'après la Kabbalah eux ils disent que c'est bien en argent. Aval, il y a selon la Kabbalah, il y a un rab qui dit même selon la Kabbalah c'est bien de prendre un verre en verre. Pourquoi? Parce que quand tu vois le verre, tu vois le vin aussi de tous les côtés. Kabbalah. Alpi Kabbalah, il y en a qui veut dire comme ça. Il y en a un rab qu'Alpi Kabbalah il veut dire que tu sais bien de voir le vin. Alors moi j'ai dit, tu peux voir le vin d'en haut, il dit ouais. Non, tu vois en travers. Oui. Bon,
De toute façon, si, bon, si je suis à un téfa de la table, je vais voir que d'en haut. Exactement. Celui-là qui va avec le verre, ça va, celui-là qui va avec l'argent, ça va. D'où ça vient ces conditions et qu'est-ce que ça représente? Pourquoi les deux mains et c'est Dina de Gemara. La Gemara est dit comme ça. Il y a 10 conditions, aujourd'hui on a plus dit, selon la halakha. Halakha, c'est même plus très bête, tu verras là-bas, il y a 10 conditions, mais selon aujourd'hui, il a dit Rabbi Yochanan, il n'y en avait 4. On continue. Bechat Adrak. שאין לו אלא כוס אחד של יין, ושתו מעט מהכוס, ואין לו מים או יין, לתקן הכוס, רשאי לדרך על כוס פגום, ואם יש לו כוס אחר, המחזיק רביעית, יערה היין לתוכו, ועל ידי זה מתקן מעט פגימה. ואם יש לפניו שער משקין, ומזיגתן לא תקלקל טעם היין, יכול לתקן על ידי שער משקין, שאין לו מים או יין. כן. כל מיני זה דין הרב, que le verre, il faut qu'il n'est pas pagoum. Ça veut dire que personne n'a bu de ce verre-là. Et aussi, entre parenthèses, je dis qu'il n'est pas scellé, le verre. D'accord ? Scellé. Scellé, mais c'est pas scellé. Scellé, ça veut dire ? Ébréché. Fissuré. Ébréché. D'accord ? On lui dit, le rab, c'est maintenant un homme, lui, maintenant, qu'il y a quelqu'un qui l'a bu déjà de ce verre. Tiens, un rébite. Ouais. Il nous dit, le rab, si tu n'as pas maintenant de l'eau ou du vin, ok ? Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu peux arranger quand même un peu le verre. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends ce verre de vin, qu'il a été bu un tout petit peu, tu verges dans un autre verre. Ce verre-là, maintenant, là, tu peux faire qu'il pousse dans ce verre-là. Mais c'est mieux, il nous dit le rab, si par exemple, tu as d'autres jus. Par exemple, un petit Coca-Cola. Mais ce Coca-Cola, il faut mettre quelques gouttes, parce que sinon, ça va changer le goût du vin. Alors, si tu as mis quelques gouttes, ça ne va pas changer le goût du vin. C'est bien de faire avec, si tu as Sprite 7-Up. Ouais. 7-Up. Ça ne va pas trop changer le goût. Je n'ai pas compris, c'est quoi le problème? J'ai un verre qui est un peu cassé, qui est fissuré. Non. C'est le verre que lui, ils ont bu dessus. Ah, on m'a dit, quelqu'un qui l'a bu, même une goutte, ce verre, tu ne peux pas faire qu'il touche dessus. Tu dois prendre un autre verre de qu'il touche. Et c'est quoi le rapport maintenant avec le verre fissuré? Non, à part. C'est à part. Raphaël. Oui, Raphaël. Souvent, la femme elle fait qui douche et ensuite le mari fait qui douche. Donc c'est le même verre. Et il y a la femme qui a mis dedans. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le réparer avant. Tu rajoutes un peu de vin. Il faut que tu aies maintenant un réveillé, ou le verre qui est plein. Et là, tu fais quelque chose dessus. Mais c'est bien et c'est conseillé de prendre un autre verre à part ce verre-là. C'est bien. Ça veut dire que le verre où celui qui est le chez bois, il n'y a que lui toute sa vie dans le verre là. Hein ? Ce verre-là où il boit la tête sur le mur, je suis pas sûr. Tout le monde doit boire. Mais si c'est la vue du jus de raisin, t'as pas le droit de refaire qu'il bouge sur le jus de raisin qui est intérieur. Je dois rajouter encore du jus de raisin. T'as bu avec ce verre, t'as pas le droit de refaire même qu'il bouge. Et il t'en reste, t'as pas le droit de refaire. Et si t'en reste, rajouter dedans. Alors, j'avais pas compris de la même manière. C'est bon maintenant ? Top. Par exemple, entre parenthèses, je vous dis. Si quelqu'un, il se trouve Pessah, par exemple, ils n'ont pas beaucoup de verres. Il y en a un grand verre. Ce grand verre, par exemple, fait 4 réveillotes. 4 réveillotes, c'est 4 fois 86 millilitres. Et on est 4. Et on fait notre kidouche. Aaron, maintenant, on fait le kidouche pour Pessah. On doit boire le verre à coudée. Mais on arrête un verre. Les autres, ils n'ont pas les verres. Dans les trois, ils n'ont pas. Il y en a un, ils ont un verre. Il boit, il remet un peu pour faire de la zone, il passe à l'eau. Alors attends. Non, vous n'avez que un verre. Puisque. Bah, il fait un qui douche. Il boit pour tout le monde. Attends, il y a quelque chose qui a un problème là ici. Quel est le problème ici? C'est pas qui douche Shabbat. Que qui douche Shabbat. Ça suffit qu'il y a un qui est Mekadesh et il te requitte. Justement, tout le monde boit sur les douches. Comment il va boire son réveillite? La cave est vide, vous avez dit. Alors, un, il fait qu'il douche avec, il requitte les autres, et après, il fait tourner. Mais le problème, il est que chacun parmi, Pessah, je parle, chacun parmi les trois qui restent, ils sont obligés de boire un verre qui est papagoum. Quand moi, j'ai bu maintenant le réveillite, maintenant, je lui transmets. Et lui, il va boire un réveillite, mais avant, ça s'appelle son verre là, pas goût. Parce que c'est sur la bracha. Tu verses encore. Pagoum, c'est sur la bracha, t'as de donner après une fois. Top. Alors maintenant, j'ai éclairci les choses. T'as un tout petit peu raison, Menachem.
Quand j'ai fait la bracha dessus, okay, j'avais le verre qu'il était entièrement, entier, d'accord ? Il n'était pas pagoum. Il était, personne n'a bu de ce verre. J'ai fait toute la bracha, savré maranan, bon, après, agé, ben, elle m'a dit, je dis, après, elle m'a dit, Hachem, après, j'ai dit, Hachem, Bahaban, Hachem, Bahadad, Mikola, Roman, Mikola, Chon, Réguinage, me mise au tabou, Hachem, et qu'elle serait, ben, Zemani. Et moi, puisque maintenant, j'ai bu, mais quand j'ai fait la bracha, le verre, il était papagou. Eux, maintenant, quand ils vont boire chacun son rébite, ils seront quittes et ce n'est pas considéré comme ils ont bu d'un verre pagou. Parce que quand moi j'ai fait la bracha, le verre, il était entièrement, entier. Excusez-moi. Vous avez compris ? On revient chez nous maintenant. Kos pagou, moudaf, kakshachatou, mi meno bapé. Qu'est-ce que ça veut dire un verre qui est pagou ? Pagou, ça veut dire qu'il est. Quelqu'un qui l'a bu dedans. Ah, dedans là, avec la bouche. Abalim shavar be'akos etor yado ol etor kli. Et si maintenant il a pris le verre, c'est ce que je veux dire. Il a versé un peu dans la main. Ou dans un autre verre. Ot shtam al yedei etzba'o. Eno nivgam bekar. Ou par exemple, il a goûté avec son doigt. C'est pas considéré comme pagoum. Alors c'est quoi le problème, Rav, de goûter avec la bouche? C'est quoi les lèvres? C'est quoi le problème de mettre les lèvres? C'est le derrière, c'est la façon de boire. Si tu bois comme ça, même là, c'est pour game, comme ça. Yain, si j'ai tombé maintenant à l'aide des caches, n'achon, si j'ai tombé à l'aide des caches, si j'ai tombé à yain, à l'aide des chitaftef, de tocho, meat yain, oh yain, oh yain. Si maintenant c'est du vin qu'ils ont bu avec une paille, ils ont mis la paille, alors maintenant est-ce que c'est considéré comme pagoum, oui ou non? Il nous dit le rab, c'est conseillé. Ça peut l'être, hein? Ça peut l'être, ça peut l'être. Non. Parce que ce n'est pas la façon de boire la bouteille de vin. Le verre de vin, excusez-moi. C'est conseillé de, oui, de rajouter quelques gouttes d'eau ou quelques gouttes de vin. Comment ? Mais ça fait, ok. Exactement. Im shatama bakbouk, bofen shemarchik, et pib a bakbouk, ou pib edon nogia be bakbouk, en ze pogem et ayayn me lekadesh alav. Ok. Si un homme lui boit de la bouteille, il prend la bouteille et il la verse de la paille, il boit dans la bouteille directement et là il fait un jet. Oui. Ce jet là maintenant, est-ce que le fait qu'il boit, il fait un jet, est-ce que ça s'appelle que lui, toute la bouteille maintenant, elle n'est pas goûte, oui ou non? Oui, il aura. Elle... Si. Parce que quand non. L'eau elle sort, c'est au crabe. C'est pas, elle sort pas de la bouteille dans ta bouche directement. Non. Elle fait une transaction. Ah, si ça, une transaction. Alors, ça, selon il y a un SR, c'est un problème, ça. Il y a un SR. Si c'est un goy, que lui qui l'a fait comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, toute la bouteille, si c'est un goy, c'est un chrétien, toute la bouteille, elle est interdite. Ouais. Mais si c'est un musulman, la bouteille, elle n'est pas interdite. Par rapport à un musulman, c'est un. Parce qu'un musulman. Shabbat. Un juif qui fait pas Shabbat, il ne rend pas la bouteille interdite. Oui. Je pense. J'ai oublié. Top. Alors il dit là, si maintenant lui il prend la bouteille et il est loin de la bouche. Oui. Ok. Alors la bouteille, c'est bon, elle est bien, tu peux faire le kiddush avec. Tu verses dans un verre, il n'y a aucun problème. Oui. Je ne pense pas que c'est pas goum, parce que c'est comme le cas avec la paille. Avec la paille, c'est préférable de ne pas utiliser, mais on peut quand même. Très bien. D'accord ? C'est pas comme ça qu'a dit Laura. Mishéta, Mishana Gidouche, Vétaam, Meayain, Miyad, Laha, Boré, Bré, Agéfé. Kodem, Birkat, Achagé, Deshadou, Itakaré, Takos, Miyad, Aliédé, Jisov, Letocho, Miyad, Maïm, Oyain. Arlo, Yase, Efse, Gadol. Si un homme lui maintenant. Il a commencé à faire le kiddush. Et comme il y en a beaucoup, les premiers temps, où ça fait des fois des moments que lui qui fait le kiddush comme ça, Savoy Maranan, Boré Pri Agefen, et lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il goûte un peu le kiddush. Alors si maintenant il a goûté le kiddush, qu'est-ce qui se passe? Il a rendu le verre, pas saoul, parce que quand est-ce qu'il faut boire le kiddush, le verre du kiddush? Quand est-ce? C'est à la fin qu'on a fait Mekadesh HaShabbat. Mais quand lui il a dit, ça va maintenant, bon, après à Geffen, il ne faut pas goûter le kiddush. Mais lui maintenant,
sans faire attention ou sans faire exprès, ou il ne savait pas, il a bu un peu. Alors maintenant, ce verre-là, maintenant qu'il a, ça s'appelle pas goum. Il nous dit, le Rav, si tu peux, tout de suite, sans parler, tu prends un peu de l'eau, tu prends un peu de vin, tu verses dans le verre et tu continues ton kiddush, c'est mieux et c'est préférable, chazak ou baruch.